Qu'est-ce qu'il y a, Maggie? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Non, ici, mon chou, bougez pas ou vous êtes mort. Allons, viens, chérie. Oh, arrive. Allons-y, les gars. Hey, fichons le camp d'ici. Maggie! Oh. Oh. Ta gueule! Oh. T'as entendu ce qu'a dit mon pote? Ta gueule! De cette façon qu'on gagne, mon garçon. Si tu veux taper juste, il faut que tu t'exerces un peu, Johnny. C'est pareil pour chaque chose. Johnny, est-ce que tu as fini de nettoyer les vitres du saloon? D'abord, remercions le Seigneur pour ce nouveau matin. Ensuite, nous nettoierons l'église. Et après cela, il pourra faire briller tes vitres. Thank you.
de raisin malade produit toujours du vin acide. Vous pourriez m'apprendre à tirer au revolver? Johnny, je ne pense pas que je m'en souvienne encore. Alors, pourquoi il y en a un planqué dans le tiroir? Il n'est pas à moi. Une personne me l'a confié. Celui de Louise, n'est-ce pas? Tu as raison. Je voudrais que vous me parliez de lui. J'ai entendu dire qu'il était un des meilleurs tireurs. Peut-être. Et peut-être qu'il y en a eu un meilleur. Si je rencontrais Louise, je lui demanderais de m'apprendre à tirer. Je doute que tu puisses le rencontrer. Il est quelque part du côté de Mexico. Vous croyez qu'il est mort? J'en suis convaincu. L'ambiance ici. Je vous sers à boire, Beaumal. Oui, quelque chose qui me met en train. Salut. Salut. On m'appelle Beau Néné. Non, sans blague. Tu sais, Jess, j'ai l'impression que je vais me plaire ici. Oh, regarde un peu. Prends ça, Jess. Ah, merci bien, Miss. Beau Néné. Oui, Beau Néné. N'accaparez pas la table pour vous tout seul. Il y en a d'autres qui veulent jouer. Ils sont très polis dans ce patelin. Ouais, ça économise des munitions. Johnny? Johnny, viens ici. Hé, mon gars! Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi diable n'es-tu pas à l'école? Qu'est-ce que ça peut vous faire?
Tu poses une question stupide. Et vous avez la réponse. Où est ton père? Il est mort. Tué dans une bagarre. Oh. Ça, c'est trop triste. Il n'a pas tiré son arme assez vite, hein? Il était trop rapide. Ah. C'est pourquoi ils lui ont tiré dans le dos. Ah. Est-ce que tu sais qui l'a tué? Non, je l'ignore. J'étais pas née quand c'est arrivé. Johnny! Je t'ai demandé de venir ici. Elle n'est pas mal, hein? Eh bien, je crois que nous allons nous payer du bon temps dans ce pays. Qu'en penses-tu, beau néné? Ça dépend de vous, beau mâle. Quelle femme! Ici, c'est une maison respectable, un peu de tenue, monsieur. Vous avez demandé du whisky, c'est ce qu'on vous a servi. Vous n'aurez rien d'autre. Oh, c'est du lait de jument sauvage, madame, mais c'est buvable. Je crains que vous n'ayez pas entendu. J'ai dit qu'ici, c'était une maison respectable. Oui, madame, je vous entends. Je vous entends très bien. Apprenez qu'ici, c'est une maison respectable. Oh, vous aussi. Vaut mieux vous taire. Voilà. Un foule. Quatre as. Flush royal. Besoin de shérif, madame. Ce qu'il faut, c'est un prêtre. C'est un cop légitime défense. Tout le monde a vu que c'était un cop légitime défense. Pas vrai, les gars? Oui. Alors foutez-nous la paix. Quelqu'un veut-il aller chercher le shérif? Oh, pas toi, Johnny! Non, fais pas ça! Je vous en prie, madame. Je vous ai entendu dire que c'était un endroit respectable. Johnny, qu'est-ce qui t'est arrivé? Juge! Juge! Ce sont les hommes qui ont fait le hold-up de la banque de Crane City. Ils ont aussi violenté une jeune fille. Et rentrez chez vous! Ah, pas seulement Crane City, mais également à Maverick, à Normandy, Spotford et à Mansion Dryden. Que peut-on faire? Et vous, appelez le shérif, et vite! Vous n'êtes qu'une bande de lâches! Un meurtre a été commis et tout ce que vous faites, c'est rester planté là! N'y a-t-il pas quelqu'un qui aurait assez de tripes pour poursuivre ces bandits? Un homme a été tué, abattu sous vos yeux, dans ce saloon! Je pensais que nous avions un shérif dans cette ville! Juge Barrett! Laissez-moi passer! Shérif, pourquoi ne leur courez-vous pas après? Vous allez les laisser s'en tirer comme ça? Vous ne pouvez pas rester ici sans rien faire! Jenny, ces types sont déjà loin. Juge Barrett, quelque chose doit être fait. Cet homme a été poignardé. Les meurtriers sont les Clayton. Les Clayton, vous devez capturer ces hommes. Leur place est en prison. Vous connaissez les Clayton? Écoutez, shérif, j'ai... Jenny, calmez-vous.
Je suis heureux que ces malfaiteurs soient partis. Je ne veux pas qu'il y ait davantage de troubles dans cette ville. Si je les poursuivais, je risquerais la vie de tous ces braves gens. Mais ils doivent être punis. Mienne est la vengeance, a dit le Seigneur. Faites sortir votre fils. Shérif, je veux emprunter votre cheval. Pourquoi ? J'ai quelques petites affaires personnelles à régler. Mon père, pourquoi ne restez-vous pas en dehors de tout ça? Les Clayton, c'est toute une bande de criminels bien organisés. Je ne tiens surtout pas à ce qu'ils reviennent un jour dans cette ville. Eh bien, je suppose que vous en aurez l'usage. Vous tous qui êtes là, écoutez-moi. Quoi qu'il puisse nous arriver maintenant, la responsabilité lui incombe. Désolé, mon Dieu. De troubler votre sommeil, messieurs. Alors, les gars, saluez notre visiteur, le sauveur de nos pauvres âmes en personne. Et que pouvons-nous faire pour vous, mon père? Allez, crachez le morceau. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous foutez là? Bon sang, Jess, quelle vilaine façon de parler à un prêtre. S'il vous plaît, je vous en prie, asseyez-vous, mon père. Nous sommes toujours disponibles pour une belle confession. Oh, Zik, verse une tasse de café à notre ami. Je crois que ce couteau appartient à votre neveu, Clayton. Jess, je vous demande de revenir à Juno City avec moi. Le juge vous attend. J'ai pris aussi l'autre. Je n'essaierai pas si j'étais vous. Oui, Jess, c'est vrai. Ce prêtre a raison. Laisse tomber, va. Ah, cette voix. Cette voix qui frappe mon tympan. Est-il possible que nous nous soyons déjà rencontrés autrefois? Je ne pense pas que j'ai eu ce plaisir. Allons, jeune homme, partons. Je ne veux pas manquer ma messe du matin. Eh bien, mon père, j'ai bien peur que vous soyez obligé de la manquer.
Saint homme n'est pas venu tout seul. Jess, je pense qu'il vaut mieux que tu ailles avec lui. Ouais. Bon. Il est à vous, mon père. Merci pour le cheval, shérif. Bon Dieu, j'appréhende de graves ennuis. Ce prêtre, moi, je ne le comprends pas. Il a fondé cette communauté chrétienne, une communauté pacifique, et il s'en va défier des bandits. Shérif, pourquoi ne pas appeler le marshal? Ne prenez-en pas toute la responsabilité de l'affaire. Ouais, essayons de lui télégraphier. Vous êtes en retard pour la messe du matin, mon père. Mieux vaut tard que jamais. Eh bien, Johnny. Mais où étais-tu la nuit dernière? Tu n'as pas étalé cierge. Jeune homme, fais sonner la cloche. Je pensais que tu ne savais pas te servir d'un revolver. Comment vous avez su que c'était moi? Tu l'as remis en place? Salut, Tom. Bonjour. Juge. Cette bouffe est infecte. Juste bonne pour les cochons. Quelques heures, ça n'aura plus d'importance. Tu te balanceras au bout d'une corde de chanvre. Je pisserai sur votre tombe avant que vous me pendiez. Vous pouvez le dire à votre shérif, juge. Non! Je veux voir ce salaud pendu. Recommence ça et je te réduis en bouillie. T'as compris? Je garde la clé sur moi jusqu'au matin. Vous vous arrangerez avec le shérif. Récupérez nos armes. Elles sont dans le coffre. Dans le coffre. Au juste que j'irai pisser sur sa tombe et je suis un homme de parole. Non, une minute. Je vais voir le prêtre d'abord.
Pourquoi pas les deux? Allez, viens! Ne presse pas! Ça m'a dit d'attendre le lever du soleil. Bon, ça va. Hé! Hey! Allez, vieux, va dormir! Voilà! Bonjour, mon père. Belle matinée. Maman m'a dit que vous avez fait du bon travail l'autre nuit. Avec l'aide de Dieu. Et ton aide, Johnny. On n'a jamais su son véritable nom. Il est arrivé ici un matin sans dire d'où il venait. Il venait, paraît-il, de Mexico. Il est mort, mais son âme sera toujours parmi nous. Laissez-moi.
Salut, Siri. Hé, écoute bien ce que je vais te dire, femme respectable. L'œuvre a tourné, la chance nous a souri. Le juge s'est mis de notre côté. À présent, c'est moi qui fais la loi, Juno City. Juge Barrett, Jeff Clayton a tué un homme dans mon salon et ce matin, le père John a été assassiné. Oh, maintenant, écoute-moi, chérie. En ce qui concerne Jess, bien sûr, il est innocent. Tout le monde ici sait que c'était un cas de légitime défense. Hein? Est-ce que c'est vrai, juge? Est-ce que c'est vrai, juge? Oui. Et pourquoi avoir tué le prêtre? Qui a commis ce crime? Avez-vous déjà oublié que vous l'avez tué? Hein, qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas qu'il y a des voleurs de chevaux dans cette ville. Des voleurs de chevaux? Oui, voleurs de chevaux. Sam! Le fils de la blonde, là, il vient de piquer deux de nos chevaux. Johnny! Laissez-moi partir! Lâchez-moi! Johnny! Johnny! Alors, vous savez par quoi nous allons commencer? Oui, voler des chevaux. Oui, voler des chevaux. Toi, rattrape-le, ce petit salaud. Shérif! Shérif! Lâchez-moi! Lâchez-moi, laissez-moi partir! Quelqu'un doit appeler le marshal à Comstock! Vous entendez? Oh, désolé, chérie, le télégraphe est foutu, n'est-ce pas, shérif? Oh, vous bête sauvage! Moi? Oh, 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 vous voulez rire? Ce petit salaud s'imagine qu'il peut nous couillonner. Rattrape le cheval, moi je poursuis le gosse. On a retrouvé un cheval. Rip est à la poursuite du garçon. Où est-il? Je veux m'en aller. Toi, ferme-la. Laissez-moi partir. Oh, emmenez-la. Et tant qu'on n'a pas repris le gosse, on risque d'avoir des temps d'ennui.
Mike a raison, partageons le butin et fichons le camp. D'accord, vous pouvez partir, aller au diable si vous voulez. Zeke, donne-leur leur part. Le reste, garde-le pour la famille. Zeke. Bon, maintenant, écoutez-moi. D'après ce qu'on a établi, nous restons ici. Nous attendons l'arrivée de la diligence pour Stockton. Ensuite, nous allons nous conformer à notre plan. $50,000. Une caisse remplie d'or. Et je dois dire que ça me convient très bien. Ouais, cette diligence est à notre portée. T'as entendu ce que le type a dit? Ce garçon peut nous attirer des ennuis. Et tu ferais bien de t'en occuper. Qu'est-ce qui est arrivé à notre shérif? Il a dû s'enfermer à double tour. Alors on va lui jouer un tour à notre façon, hein? Je ne sais pas lire. Pourquoi tu as frappé cet enfant? Tu es muet. Ce n'est pas une raison suffisante pour maltraiter un gamin. Oh, tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Oh, Manuel est muet, Chico. Il a cru que tu te moquais de lui. Et va vers le sud, muchacho. Tu ne trouveras rien avant d'arriver à Iglesia de Storoya, 2 kilomètres d'ici. Après, plus rien jusqu'à Pueblo Querada, où habite un Américain, Louis. Hé, hey, muchacho, c'est de la folie de courir comme ça par cette chaleur! Bonne chance! Elles sont mignonnes. Qui est-ce? Les filles du shérif? Non, pas les siennes. Les miennes. Il est leur oncle. Comment un type aussi horrible peut-il avoir deux filles aussi jolies? Oh, elles sont si jeunes. Je vous en prie, ne leur faites aucun mal, s'il vous plaît. Moi, du mal? Vous voulez rire, vieux débris? Pourquoi avoir peur? Je les aime déjà. Et vous allez voir, moi, comment je vais les aimer. Cherchez ici. Hé, hey, qu'est-ce qui ne va pas? Mon nom est Juanita. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi ne dites-vous rien? Vous avez la gorge sèche? Venez, asseyez-vous. Alors, est-ce que ça va mieux? Vous pouvez parler maintenant, non? Vous pensez qu'il ne faut pas? Vous ne voulez pas parler? Ou vous ne pouvez pas? Mon père va arriver. Peut-être pourra-t-il vous aider. Qu'est-ce qui vous arrive, jeune homme? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous allez manger, prendre un bain, ensuite un bon lit. Le bas d'abord, venez. Eh bien, c'est le moment de nous séparer. Nous passerons la frontière au matin. Nous camperons ici pour la nuit. Ouais. Profitez de votre argent. Mais surtout, ne dépensez pas tout au même endroit. Très bien, Sam. Merci. Et on en aura pour un bout de temps. Je pense que je vais jeter un coup d'œil par là. Au revoir, les gars. Bonne chance. Au revoir, Sam. Merci pour tout. Je suis peut-être estropié pour toute ma chienne de vie, mais je serai un homme riche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dupé par ce maudit gamin, mais à présent, ça va être ton tour. Hein. Mais si tu es estropié, tu t'en sortiras jamais tout seul. Tu crèveras ici. Voyons, je peux t'aider. Non. Tiens, voilà ton argent. Mais je n'ai plus confiance en toi ni en personne. Tu ne me crois plus? Écoute, j'ai seulement 2 balles dans mon revolver. Regarde. Tu vois, il est vide. Alors maintenant, tu peux me croire. Que veux-tu faire? Si tu veux m'estropier, vas-y. Tire dans les jambes, vas-y, vise bien, tire, comme ça nous serons à égalité. Non, attends. 1 minute. Je ne veux pas voir ça. Je ne vous comprends pas. Vous refusez de parler de gros ennuis qui vous tourmentent? Ou bien peut-être est-ce un secret que vous ne voulez pas dévoiler devant ma fille? Ne craignez rien. Je n'ai aucun secret pour Juanita. Vous savez, mon petit, je m'accorde aussi bien avec les hommes qui sont très discrets qu'avec les bavards, mais vous,
Dites-moi tout de même comment vous vous appelez. Muet. Il doit avoir une grande confiance en vous pour vous laisser cette arme. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon petit? Vous vous sentez mal? Devant l'église. Quatre balles ou quatre hommes? Qui a tiré sur lui? Il n'y a pas de shérif à Juno City? Quand est-ce arrivé? Deux jours? Père, écoute. Écoute, tu ne penses pas aller là-bas, n'est-ce pas? Il est mort et personne ne peut plus rien pour lui. Partir ne servira à rien. Ça ne le fera pas revivre. Tu pourrais être blessé ou mourir à ton tour. Et ça, oncle John ne l'aurait pas voulu, tu le sais bien. Il faut que j'y aille. Essaie de comprendre, Juanita. Je ne pourrai plus me supporter moi-même si je reste là. Ah, ça t'a pris comme mon frère. Quand nous étions gosses, notre père nous enseignait la façon de tirer.
la position du soleil, la direction du vent, le bras. Et 100 et quelques fois par jour, on s'exerçait à sortir et rentrer l'arme de l'étui. John pratiquait tant qu'il usait complètement ses étuis par douzaine. Il était toujours le premier à dégainer. Personne n'a jamais pu le battre. Seulement un jour, Dieu a mis une Bible dans sa main au lieu du revolver. Mon histoire est un peu différente. Ça s'est passé dans un tripot, à Abilene. Il y a très longtemps de cela. Et ça a changé ma vie. C'est un cas de légitime défense, shérif. Légitime défense. Lewis l'a surpris en train de tricher. Il avait des as planqués dans ses manchettes. Oui, c'est possible, mais il semble qu'il y ait toujours des ennuis avec vous. Jed a quelques amis très influents dans cette ville. Je pense qu'il serait temps pour vous de partir. Ont parié contre vous toutes leurs économies. Si vous mordez la poussière, il ne se trouvera pas une personne dans cette ville pour venir fleurir votre tombe. Nous avons pensé vous en apporter quelques-unes. Alors comme ça... Comment allez-vous, monsieur? Mon nom est Mortimer, et je veux vous remercier, monsieur. Je vous suis vraiment très obligé. Voyez-vous, eh bien, je vous ai fait confiance. J'ai parié toutes mes économies sur vous, monsieur. Alors, merci infiniment. Je suis désormais un homme très riche, immensément riche. Je ne peux pas y croire. Mais quand je pense que c'est grâce à vous. Et merci encore. Allez ramasser votre chapeau, monsieur. Et n'oubliez pas votre revolver. Il y a beaucoup de crapules dans le coin. John! Ah!
Cinq hommes, Louis. Cinq hommes morts, pourquoi? Ces hommes l'ont voulu. Je n'ai jamais tiré sur un innocent, jamais. Dieu seul juge les hommes. Comment peux-tu décider si un homme est innocent ou non en un cinquième de seconde? Qu'essaies-tu de me dire? Il est temps que tu t'arrêtes. Que je m'arrête pour faire quoi? J'accroche mes revolvers et je suis tué dans l'heure. Pars, quitte ce pays. Partir? Mais ça n'a pas de sens. Partir pour aller où? Là où tu pourras commencer une nouvelle vie. La seule vie que je connais, c'est celle-ci. J'ai finalement écouté mon frère et commencé une nouvelle vie. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce que je vais faire est juste. Voilà un groupe d'hommes à cheval. Ils viennent par ici. Où sont-ils? Dans environ 2000. Je vais les recevoir. Ça m'a dit de rester ici. Je ne me balancerai pas au bout d'une corde. Eh, on ne pourra pas te pendre. Tu n'as pas de tête sur tes épaules. Ils ne pourront pas nous posséder. Hey, Jess, Zeke, vous vous souvenez de Dryden? Dryden. Hey, tu penses aux filles du juge, hein? Ainsi, le shérif n'a pas télégraphié au marshal, hein? Vous savez, juge, vous êtes un menteur, un faux jeton de menteur. Le marshal! Maintenant, sortez, débarrassez-nous d'eux. Si vous voulez que je traite votre fille comme un gentleman. Pardon. Allez! Marshal, c'est moi, le juge Barrett. Nous venons arrêter Jess Clayton, juge. Quand le shérif a appris que vous ne veniez pas, il a décidé de ne pas le garder en prison ici. Il l'a accompagné à Fort Stockton. Bon Dieu! Vous avez entendu? Après 3 jours de voyage, on apprend qu'il est entre les mains de l'armée. Allons le chercher, il nous le faut coûte que coûte. Je veux le pendre moi-même. Alors? Vous vous êtes bien débrouillé. Un Clayton tient toujours sa parole. Que je vais m'occuper de sa sœur. Ouais, il est grand temps pour nous de rigoler un peu, là. Hein? Non. Allons faire un tour au saloon. Eh, d'accord. Allez, venez, vous tous. Allez, viens aussi, Jess. Excellente idée. Non! Non, non! Bête sauvage!
les chefs. Eh bon Dieu, je vous le dis, on tient le pays. Nous avons eu une rude journée. Alors, rigolons un peu. Je vous l'ai promis. Ouais, ouais. On se payait une mie en diablé. Amenez-vous, il y en a plus de filles qu'il n'en faut. Complètement cinglé, la chère patronne du saloon. Je n'ai jamais eu de fils, tout le monde le sait, je n'ai pas eu de fils. Vas-y, Jess, prends ton plaisir. C'est la vérité, Sam Clayton. Oui, oui, bien sûr que c'est la vérité. Oh, vous êtes vraiment folle, madame. Ton fils. Mon fils, mais de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mère et de fils? De quoi est-ce que vous parlez? Expliquez-vous. Jess, fous le camp. Maintenant, allez, dites-moi, qui êtes-vous? Oh, tu ne te souviens pas? Il y a très longtemps de ça. Dryden. Oui, Dryden. Oui. Thank you.
marching home again. Hoorah, hoorah. When Johnny come marching home again. Hoorah, hoorah. Je n'oublierai jamais ce jour. Bon Dieu. Alors, c'est Johnny. Johnny. Voyons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Johnny, mon fils. J'ai un garçon! J'ai un garçon! Hé, hey, Curly! Curly! Zik! Zik! J'ai un garçon! J'ai un fils! J'ai un fils! J'ai un fils! J'ai un garçon! J'ai un garçon! Il sait servir d'un revolver! C'est bête, je commence déjà à l'aimer, ce petit. Il a des tripes. Bientôt, il pourra seconder son vieux père, je vous le dis. Assez! Je dois le retrouver. Je dois retrouver Johnny. Je dois retrouver mon fils! Temps de faire entendre la parole de Dieu. T'en aurais plus besoin. Maintenant, je veux que tu m'aides comme tu as aidé mon frère. Allez les filles, sortez d'ici. J'ai dit dehors. Sortez. Hey, grouillez-vous. Oui. Hey, Franck, va chercher le pognon. Qu'est-ce qu'on fait pour la diligence? J'ai dit, va chercher l'argent. Ah, mon Dieu. Johnny, je sais que tu te caches quelque part. Maintenant, reviens, Johnny. C'est moi, ton père. Non, ne dis rien. Que Johnny n'apprenne jamais la vérité. Il est ma seule raison de vivre. J'ai tout fait pour l'élever dans le droit chemin. S'il savait, il serait perdu. Ferme. Johnny est mon fils. Il est mon fils et il tient de moi. Tout seul dans le désert, il a dupé trois de mes meilleurs fusillés, estropié un d'eux, tu vois. Ah, c'est un Clayton, sans aucun doute. Il a mon sang dans ses veines. Il est le seul bonheur que j'ai eu dans ma misérable vie. Je t'en prie. Oh, Sam, je te le demande. Ne m'enlève pas, mon petit. Ah, tais-toi. Il est revenu, il est revenu! Qui est revenu? Qui est revenu? Le prêtre, le prêtre! Venez, allons voir! Parce qu'il était sous.
Zig, va prendre l'argent. Le prêtre. Red, plante-toi. Va derrière la charrette. Voir ce qui est arrivé. Toi aussi, Jess. Reste là. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Johnny, sors de là. Tu m'entends? Sors de là ou je tue ta mère. Je le ferai, Johnny. Thank you.
Johnny, prends un cheval. Viens-y, qu'on s'en va. Je veux mon argent. Pas stupide, partons. Les filles, je pense que tout est terminé. Sam! 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 Vas-y, bois. Mordure. Je vais te pendre au bout d'une corde jusqu'au si t'es foutu. Foutu, racaille. Allez, avance! Maintenant. Hé, hey, mon vieux Georges, pourquoi tu veux aller à Mexico? Pourquoi? Parce que d'où nous venons, il n'y a rien d'autre que mort et destruction. À Mexico, il y a de l'or, de l'argent, et puis une merveilleuse fille à la peau brune. Oh, j'ai bien fait de demander. C'est là que tout s'en va. Johnny! Oh, Johnny! Regarde, Johnny. Tu sais ce que ces croix signifient? C'est une ancienne mission abandonnée. Et ça, c'est le cimetière. J'ai une surprise pour toi. Viens. Thank you.
Tu sais, Jenny, il y a des individus qui viennent au monde pauvres et le restent toute leur vie. Et d'autres, d'autres se roulent dans l'or. Regarde un peu. Tu vois ce qu'on a? Nous avons 50 000 dollars, Jenny. Ils sont à nous. Oui. 50 000 dollars dans ce petit paquet. Je parie que tu n'as jamais vu autant d'argent. Nous allons être heureux ensemble, Johnny, pour le reste de notre vie. Oui. Tout ça est à nous. Tu vois, Johnny. Derrière, c'est le Mexique. J'ai toujours voulu aller m'y installer. À Mexico, ou peut-être habiter quelque part, près de la mer. Mais j'ai toujours dû abandonner ce projet. Et sais-tu pourquoi? Je vais te le dire, Johnny. Oui, je vais t'expliquer ça. C'est parce que mes neveux, d'abord Zeke, et puis Jess, enfin Red, aucun d'eux, n'étaient d'accord. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne rajeunis pas. Le temps s'écoule rapidement. Et un jour, Johnny, on s'aperçoit soudain qu'on est vieux. Et l'on se retrouve tout seul. Tu mérites bien de finir tes jours seul. Oh, toi, la ferme. Tu es... Elle ne sait rien, Johnny. Elle ne comprend rien. Clayton! John était mon frère. Mienne est la vengeance, a dit le Seigneur. Là, là, voyez, c'est à vous. Tenez, ça, c'est tout à vous. 50 000 dollars.
Ils sont à vous. Ils sont à vous. Je vous les donne. Vous entendez? 50 000 dollars. Et j'en ai encore plus dans ce sac. Non! Oh! Je suis ton Johnny. Bien soin. Louis, je vais le remettre dans l'église. Mon Lord.